Bonsoir à tous, donc on va finir le jeu. Coucou Clem, comment tu vas? Comment que tu vas? J'attendais, j'avais du bruit autour de moi donc. Bon, on n'a pas fini le jeu. Là, c'est juste pour vous montrer où on en est. On est à 1h58. Ça va, j'ai mal au ventre, mais ça va. On est à 1h58, on a tué le père, on a tué la mère. On est à la partie avec le fils, qu'on a quasiment fini. Après, il y aura le hangar à bateau, le bateau et les mines. Ça peut être jouable. Je pense que tout ça peut être fait en 1h30 si tout va bien. On verra bien. Donc, bonne journée, Clem. Donc là, c'était pour vous montrer où j'en étais pour le moment et on est ici. T'as passé une bonne journée? Qu'as-tu fait beau aujourd'hui? Là, ça va être un petit là parce que j'ai un peu mal au ventre, donc je vais reposer un peu. Mesdames et messieurs, petits et grands, bienvenue à Massacre dans la Creuse. Pas de combat, messieurs, il y a des règles. Faire foutre. Vas-tu faire de beau de ta soirée quand même? Ça fait plaisir de voir. Mais pour le bot, tu verras, c'est très très facile pour que ça annonce. Hein? Non, mais de toute façon, tu regardes pas, Rebecca.
on a des objets, ça s'ouvre pas. Passe une bonne journée. Toi aussi. Ouais, coucou Sabre, ça va toujours? Bien, que dirais-tu de jouer à un petit jeu? Tout ce que tu dois faire, c'est allumer la bougie et la mettre sur le gâteau. Va chier, du con! Ethan, ton langage! Il y a des enfants dans ce cas-là. Et quelque part, par enfin, je crois. J'en sais trop rien, en fait. Super, c'est cool. Bon, là, on avait vu dans la première game que j'ai faite, on avait... Ouais, bah, je vais pas le refaire à chaque fois. Désolée. Et pour une main agrafée, elle fonctionne correctement. Hein. Parfait. La bombe dans la main. Mais j'essaye. Recoucou Rodriguez, ça va toujours? Vous avez bien mangé tout le monde? Bad boy, ça va? Enfin. L'autre tuto, t'es prêt à crever. Ok, alors. Facile, donc est-ce que je prends quand même ça? Non, je prends pas. Ça va toujours, bad boy? Non, ça je le garde. Ah, j'ai oublié la manivelle. Alors là, je le fais en facile parce qu'en fait, j'essaye de le faire en moins de 4 heures. Ce que j'ai déjà fait il y a beaucoup, beaucoup de fois parce que je l'ai fait au moins 80 fois. Mais comme j'ai réinitialisé la play et tout, tu vois, j'ai tout perdu. Donc, faut que je récupère ma scie. Qu'est-ce que je m'éclate avec la circulaire. J'attends. Elle me manque, faut que je la récupère.
Faudrait que je récupère mes lunettes, faut que je récupère les chaussures, faut que je récupère les balles illimitées, faut que je refasse tout. Ouais, voilà. Bah, tu vois, sur YouTube, que je t'invite à aller voir, j'ai fait la partie tout au couteau ou une partie tout à la scie. C'est mon joujou, la scie. C'est mon joujou. Donc, je veux la récupérer. Oui, ça va, et bien manger. Ouais, moi aussi, bien manger, mais j'ai mal au ventre, donc peut-être c'est lourd. Donc là, tu vois, j'en suis à 2h07. Ça peut être jouable. Je pense qu'en 3h, 3h30, ça peut être torché. La mine, je mets quoi? Je mets 15 minutes, généralement. Donc. Ah, Mali. Et toi, tu l'as déjà fait ce jeu? Mika, j'arrive. J'arrive. Oh, putain, à chaque fois je me tombe dessus dans les frais. Ouais, il est trop bien ce jeu. C'est le premier Resident Evil que je faisais. Et je l'ai plus lâché. Mais je trouve que c'est un truc qui peut vraiment t'arriver en fait, tu vois. Outre le côté moisissure et haute, tomber sur une famille complètement barge, tout ça, ça peut vraiment t'arriver, quoi. Hop, les balles de Magnum. Allez, fais dodo. Parce que niveau soins, je suis bien. Ouais, c'était le tout premier que j'ai fait. Et après, ben, j'ai adoré. Donc j'ai fait le 0, j'ai fait le 1, j'ai fait le 2. C'est lui qui m'a donné envie de faire les autres. Et doucement, c'est dur, Rebecca. Enlève ça, Rebecca. N'importe quoi, toi. Tu la vois même pas.
Alors la petite voix que t'entends, c'est celle de ma fille, parce que je suis maman. À ma voix, on dirait pas, mais j'ai 40 ans, puis elle a 15 ans. Il est où l'autre bout? Je te préviens, tu mets le flash, je t'enlève le truc. Ok. Ah oui, par contre, j'ai plus de place pour... Ah oui, mais elle va prendre des trucs. Oui. Ça va faire de la place. Oui. On a pas le temps. Rebecca, ferme la porte. Je les ai. Ça suffira, non? Si on les fabrique assez vite. Mon père et Lucas ne sont pas loin. Et je sais que j'ai une voix très très douce. Bien. Bon, on est étonnés. Il y en a assez pour eux. Quand je dis que j'ai 40 ans. Je suis une vieille. Oh. Allez, je suis gentille. Bon, on fait le sérum et ensuite. Il y a un bateau dehors. On traversera le marais avec. Mais. Aucun de nous n'ira loin sans le sérum. Ok. Attends, hein, tu permets? Allez, donne-moi ça. Hé, hey, il y en a un pour moi. J'adore le combat. Allez, let's go. Ça devient lourd, Jack. Bon, tu veux pas remonter? Bon, écoute, t'es pas obligé. Gros dégueulasse. Il est où ton masque d'abord? Je te fais un cadeau, mon chou.
Oui. Oh, vas-y. Viens, on joue à cache-cache. Ah, le bâtard. Hop. Oui, remarque, en même temps, t'es bien passé. C'est très bien. Je vous lis après, hein. En dessous, là. Raté. Allez, mon gros, essaye encore. Ah bah non. Coucou Anto. Je vais perdre toute mon avance sur ce con. Tu vas bien Anto? Ça c'est pas gentil monsieur, je vous le dis. Madame. Oh, tu rigoles, hein? Hey, moi. Vous aidez moi. En moins de 4 heures, et là tu vois, je suis à 2h20 de game. Maintenant, il me reste le bateau, la mine et la petite fin en flashback, mais ça dure 5 minutes quoi. C'est jouable, je pense que c'est jouable. Comment tu vas toi? Et bien évidemment, comme je suis en... J'ai mis en facile pour faire les 4 heures. Ethan, par ici. Utilise le sérum sur lui. Je guéris. Ah putain, bah toi, merci d'être passé. Merci pour l'abonnement. Merci. Bisous. Moi, c'est pas grave. Je suis à 4 en moins de 4 heures. Pour les balles illimitées, il faut finir le jeu une fois en survie.
Mais en survie, c'est tellement dur. Le père en survie, il court. Il marche pas, il court. C'est horrible. Et Mia, là où tu dois la tuer à 8 balles au départ, il faut que tu lui foutes 20 balles dans le corps. Oh, quelle horreur. S'il n'y en a plus qu'un, dis-moi que c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et tu dois combattre Mia et échapper au père au début avant d'accéder au tout premier coffre où tu as tes armes. C'était idiot de penser que je pourrais m'échapper. Mais Zoé, partez! Partez tous les deux! Viens avec nous. Je suis sûre. Là, j'ai mis Mia parce que t'es un peu pour fait au réseau et apparemment, là, vous aurez les deux. T'as passé une bonne journée encore? Pas la peine. Il n'y aura plus personne à secourir. Ah! Pause au boulot. Moi, le bateau, il me faut quoi? Une demi-heure à le faire? Une demi-heure, 45 minutes. La mine, 15, 20 minutes, voire une demi-heure. Ça peut se faire, quoi. Faut pas perdre de temps non plus, quoi. Faut pas se dire, j'ai le temps, c'est bon. Je dois dormir. Ethan, merci. Qui d'autre aurais-je pu choisir? Ethan. Putain, la gueule de ces cheveux, je déteste. Quelle horreur. Mia. Ça fait tellement je naturel. Sais ce que tu en veux. Mais il faut qu'on parle. C'est même pas fourni partout. C'est moche. Tu as quelque chose à voir avec tout ça, hein? Écoute, je veux juste la vérité. Ethan. Je te jure que je ne me souviens pas. Essaye. Vous a offert un abonnement de niveau 1 à Stop Druid. Comment est-ce que t'es arrivé là? Je sais même pas qui c'est. J'ai jamais été lobo. Ça me dit rien du tout. Bah merci, hein. Mais je ne connais pas. Mais merci. Attends, ça va. Qu'est-ce que c'était? Plus fort soit des abonnements, vous avez même pas été sur la chaîne de la personne. Bizarre. Enfin, pas grave, ça fait des émotes. Hein. Attends, sois pas qu'elle soit belle. Maman, par ici. Maman, par ici. En parlant de maman, moi je vais aller coucher Rebecca, comme ça. Ok, donc j'arrive, je vais coucher la petite.
Alors, bravo pour les levels et coucou mon petit Malo. Bravo pour les levels avec les barreaux, toi. Je te dis, je vais tartiner une moutarde parce que, hein. Je veux dire bonjour à ceux du live. Ok. Cet endroit. Non, non, ça je vais faire. 2,24, ok. Ethan? Ah non, Milady, commence pas à me déranger là. Et re tout le monde, et bienvenue à tout le monde. C'est nous! Ethan! Ah! Ethan! Ethan! Un peu ça, Ethan. J'ai vraiment l'impression d'habiller sur place. Qu'est-ce que c'était? Allez, passe la bombe là. Allez, putain, là. Bah, dépêche-toi. Ils sont morts. Voilà. Ils sont tous morts. Qu'est-ce que tu dis? La salle des machines. Putain, qu'est-ce que tu racontes? Elle les a tous tués. Qu'est-ce qui se passe ici, bordel? Il nous faut des armes. Est-ce qu'il y a des armes sur ce navire? Recrévi. Ah, comment il me pousse l'autre? Ça va toujours, Crazy. On a bien rigolé ce temps. On s'est fait une petite session DBD. Bien, bien sympatoche. On s'en fout, il y a des documents. Ouais. Est-ce que tu te souviens? Que t'es quoi? Qui as-tu? Allez, laisse-moi avancer là. Oh bah suffit qu'il regarde la rediff et il t'entendra. Moi je calcule pas les pièces antiques, je m'en fous. Tu as dit qu'on pourrait être une famille. Tu l'as dit, je sais. Tu l'as dit. Ouais, allez, casse-toi. Attends. Ouais, moi aussi, allez, dégage. Il va me voir, là, je suis trop près. Oh non, même pas. T'es nul.
Il m'a raté. Trop rapide pour toi, mon pote. Je vois pas, je suis loin avec une balle, hein. Bon, au moins. Après ça, moi j'ai vu ta merde. Putain, la mouche castor. Regarde ça. Ouais, blablabla. Pourquoi? Tu dois te souvenir. Coucou spoiler, comment tu vas? Tu vas bien? Ça fait longtemps. Comment vas-tu? Et comment va ta chérie? Comment allez-vous tous les deux d'ailleurs? On va retrouver cette mitraillette de merde là. Bon, on a comment ça s'appelle? Alan. On a Albert. Ton état s'aggrave. Elle est due. M'infecter durant l'attaque. Il est trop tard pour moi. C'est tout ce que je mérite. C'est ma faute s'il s'est enfui. Oui, d'abord. Oui, c'est ta faute. Mais ça veut pas dire que je vais te laisser mourir. Pardon. Elle t'a pas attaqué? Pardon. Tu la retrouves. Évidemment. Tu tout ça. Allez, Evie. Où es-tu? Hop. En effet, il n'y a pas grand chose. Thank you.
Elle vomit. Merde, je dois donner l'initialiser. Comment ça se passe? Elle vomit. Une quantité bien supérieure à sa masse corporelle. Ah, il est en live là? Génial. On va être envahi par ces immondes petits copains si ça continue. Fais lui un. Bon, ah non, cet après-midi, il faut c'est la pas. Trouver vite. Avant que ça dégénère. Je suis d'accord. Ah oui, il faisait Little Hope avec Miss. Bienvenue aux 8 personnes, ça fait plaisir. ouais, à crédit. Elle a une voix douce, c'est vite dit. Hein. Coucou mon petit Malo, comment tu vas? Tu vas bien? Oh putain, allez, où es-tu, Evie? Vas-y, dis-la ta phrase. Où es-tu, Evie? Evie, attends! Est-ce que tu l'as trouvée? Oui, mais elle s'est enfuie. Elle génère d'autres créatures, Alan.
Ces trucs sont partout. Je te l'avais dit. Est-ce que ça va? Occupe-toi seulement de ramener Evelyn. Hop. 3h40, ça va. 2h40, pardon. On aurait un petit peu large. Non, un petit peu. Pas qu'on se laisse déborder, ça peut le faire. Je vais faire une prédiction. Oh shit. Alors, vais-je finir en moins de 4 heures? Oui. Non. Et je vais mettre à voter pendant 5 minutes. Comme ça, s'il y en a qui arrivent. Voilà. Ça, vous avez 5 minutes. Bah, je sais pas, hein. Ça peut même se passer d'un coup, hein. Qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui, mon petit Malo?
Système de blindage d'urgence activé. Et ça passe tellement vite le temps que... Eh ben on verra bien mon petit malheur. Comment es-tu arrivée ici? Winnie. Elle est hors de contrôle. T'as bien raison. On sait jamais. Elle se détériore. Foutu pour foutu, je préfère crever maintenant. Ne dis pas ça. J'arrive. Elle fait confiance. Cette petite personne m'a jamais... Oh non! Attends! Evie! Non, Evie! Evie! Alan! Je voulais pas, t'as fait comme ça! Elle Evie, essaie de prendre je le pas, contrôle! Non, je voulais pas. Tu dois la combattre! C'est ce que je voulais! Evelyne, arrête! Arrête ça tout de suite! Ça me montre que vous avez confiance en moi. Et ça, c'est la seule qu'on peut passer, donc c'est bien. Oups, pardon, j'ai pas muté. Donc oui, vous avez bien entendu, je suis asthmatique. Voilà, donc j'ai pris mon traitement. Après, ça peut aller très très vite, on sait jamais. Hein. Je peux galérer à un endroit où il reste la mine. Là, faut que je récupère le fusible, le câble.
j'essaye de récupérer le sac à dos aussi. Tu te souviens maintenant ? Oui, Evelyne. Je me souviens. Est-ce qu'on peut être une famille comme avant ? Non, Evie. On ne peut pas être une famille. On n'a jamais été une famille. On ne sera jamais une famille. Alors, j'ai plus besoin de toi. Alors, 2h45. Ok. Après moi, c'est un tolo qui a mis. Ah, je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Mais ça me vexe pas, hein. Même si vous mettez oui ou vous mettez non, ça me dérange pas. Ok, on va aller chercher le truc en haut. Il nous reste 1h15. Ça peut. Mais les modos normalement peuvent voter aussi, Sabra. C'est pour ça qu'il a le chiffre du nom devant son pseudo. Tout est grillé, entends. Non mais on trompait, c'est pas ça. Viens là, Albert. Albert. Il est où le couteau ? J'ai pas de couteau ? Oh. Quand tu votes, Anto, tu as devant ton pseudo soit
soit un 1 parce que tu as mis la première réponse, soit un 2 parce que tu as mis la deuxième réponse. Et là, devant ton pseudo, tu as le 2 de la deuxième réponse. C'est pour ça qu'on dit ça. Hop. Il était bloqué, le garçon. Il était en pause. C'est comme ça qu'on sait que tu as voté. Ok. Oh, pardon, j'ai tapé dans le micro. Allez, ouvre-toi. J'ai pas ton temps, moi. Ok. Donc ça, c'est bon. On va aller chercher le fusible. Et on prendra le câble après. Ouais, ça loupe pas. Et normalement, tu rentres pas à la porte. L'autre du bout là-bas, non, il reste pas. Ok. M'arrête de... Alors là, mon pot... Ah, j'ai plus rien. On va faire ça à l'ancienne. Regarde. Alors là, mon pote, oh, ta gueule. Alors là. Ah, tu fais moins le malin, hein. Ah, coucou Custer, excuse-moi, je t'avais pas vu. Je t'avais même pas vu. Excuse-moi. Comment vas-tu? Je suis concentrée. Hein. Donc, je peux pas tout voir, je suis désolée. Tu vas bien, Custer? Moi, le pire, c'était devant mon téléphone, une nuit, je devais toucher. Ah, t'inquiète, Coster, tu passes quand tu veux. Et... Oh, coucou, Rachette. Bravo pour le level et merci de ta présence, j'espère que tu vas bien. Oh, j'espère que j'ai pas loupé un raid. En étant concentré dans mon bordel, là. Non, ça va.
c'est cool. Ok. Mais c'est cool, en tout cas ça fait plaisir qu'il passe, j'espère qu'il va bien. Et j'ai pas pris le fusil, oh putain de merde. Non, je veux pas monter. Je veux pas monter. Oh putain. Non mais putain, mais... Il fout de ma gueule ou... Voilà. J'ai mal à la tête. Bon, là, je vous montre pour les nouveaux arrivants. On en est à 2h55. Hop, on va aller chercher le câble. Niveau 3. Allez, oh là là, vous êtes mou du genou. Oh là là là. J'ai pas eu la chute. Allô. Allez, salut. C'est quoi ce bruit? Oh, mais j'ai tellement rien comme... est-ce que j'ai tout fouillé? Non, j'ai pas tout fouillé.
les balles de feu. Non, c'est une pièce antique qui est enfermée là-bas. Moi, je m'en fous. Hop. Défi pour Malo faire Spider-Man Morales en ultime 4 heures. Je pense à faire pause quand je voulais. Allez, 3 heures, là on est quasi à la fin du bateau. Ça peut le faire. Et là, normalement, j'ai toutes mes statuettes. Ouais, nickel. Perfect. Il y en a qui arrive en haut. Vous voyez son ombre? Allez, viens mon petit chou. Le rire sadique. I love you. Voilà, on a fini le bateau. Anytime.
Miguel, je pense que tu passerais du temps dans les tout premiers résidents de ville, de toute façon. Ben, je l'ai fait, ouais. Il y a le let's play sur YouTube, d'ailleurs. Je sais plus. Attends, non, c'est le 0. Le 1, je l'ai commencé, mais je l'ai jamais fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas un tueur. Ni Marguerite. Ni mon fils, Lucas. On peut pas la passer, celle-là. Non. Zoé non plus, évidemment. Cette fille, Evelyne, c'est elle qui a fait ça. J'ai acheté Jill Valentine sur Fortnite. Valentine. Vous avez les persos de Resident Evil sur Fortnite. Vous avez Jill et vous avez Chris. Mais Chris, j'aime pas. Il est trop baraqué, il est moche. Donc j'ai pris que Jill. C'est là que tout a changé. Donc elle vous infecte et prend le contrôle. Non. Hey, Zozo. Pas exactement, fais ça. Elle s'interdit de force dans ton esprit. Et ton âme. Impossible de lutter. T'es complètement lié à elle. Et tu peux pas résister à l'envie. Quelqu'un de différent après ça. Comme Mia. Donc elle m'a envoyé ce message à cause d'Evelyne. Écoute. La petite veut juste avoir une famille à elle. C'est elle la clé. Tu comprends? Alors trouve-la. Et arrête-la. Et ta... Libère ma famille. Je t'en supplie. Evelyne, éloigne-toi de lui. Il ne t'aime pas. Je peux le pousser à t'aimer. Ne lui fais pas de mal. Idiote, je te le dis, je ne lui ferai pas de mal. Arrête ça ou... quoi? Tu n'es pas ma maman. Merci mon petit Malo pour la commande. Merci beaucoup. Et bienvenue aux 11 personnes. Mia, comment? On n'a pas le temps. Tu dois sortir d'ici et la retrouver. Tiens. Donc là, elle vous sauve. Et si vous sauvez Zoé, ben, vous l'avez vu, on l'a trouvé. Qu'est-ce que tu fais? Là, elle se sacre. La vie. Tu dois y aller. Va sauver je cette pourrais pas tuer cette petite garce. Non. Maintenant, va tuer cette petite garce. Non. Mia. Tout fini. Il nous reste la mine. Ok, petit. Et c'est fini. Où tu te caches? Et là, ça va être Noël. On va récupérer tous nos jouets. Les affaires de Ethan, les affaires de Mia. Je pense que ça va mal à la tête. On va aller au hockey, c'est super. Ouais. Ben moi, quand j'étais plus jeune, j'ai fait du hockey sur gazon. Avec la crasse et tout. On va chercher la grenade. Qui veut du poisson? Oui, je sais, j'arrête pas de regarder. 3h10. Enfin, 3h08, mais on va dire 3h10. On peut finir en 3h45. Je pense. Si tout se passe bien. Je
Alors. Les bombes, les bombes, les bombes, je sais pas. Prendre du fusil. La grande rebelle du fusil, bah putain, on est bien. Hein. Hey, Kikuzewa, comment tu vas? Tu vas bien? Good luck. Ouais, bah on espère ça, on espère. Ça va? Ça va, tranquille. Alors là, tu vois, Zewa, on est dans la dernière partie du jeu. Et je veux le finir en 4 heures, donc il nous reste 45 minutes pour le finir. Ça fait plaisir de te voir. On va prendre la pause. Vous pouvez crever aussi, hein. Pas interdit. Hein. J'étais accroupi. Paraît bien grand. Ah, j'ai l'air hyper petite. Hein. C'est lui, j'ai besoin de ton aide. Le gros dans la ferme qui vomit. Comment tu peux le tuer? Bah tu lui tires dessus simplement et quand il vomit tu te planques derrière les bottes de foin pour éviter son... Dès qu'il vomit tu t'accroupis, tu te caches et tu lui tires dessus au maximum. C'est tout ce qu'il faut faire avec tes plus grandes armes que tu as, sinon bah voilà. Si t'as des bombes vas-y. Ah bah non t'as pas de bombes encore à ce niveau là. Je sais pas si je peux te donner du courage à la verte, mais le record du monde de New Game Plus c'est 1h27. Ah ouais,
Ouais, mais bon, après... Moi, c'est juste histoire de récupérer, tu vois, ma scie et tout. Parce que comme j'ai reformaté la Play, j'ai tout perdu. Il faut tout que je récupère. Il est où mon pistolet? Non, j'ai pas pris les bombes. Ah ben non, ils vont pas passer de l'autre côté, je suis bête. Ta mère. Toi aussi. Ah ouais, celui-là, du coup, attends, il va où? Je déteste ces rampants, quelle horreur. Allez, vas-y. Dépêche-toi, putain. Qu'as-tu fait de beau aujourd'hui, Zewa? Je vais, tu me rembourses mes 10 points. Oh, mais t'inquiète pas. Ah ben, fallait m'attouer, hein, mon petit malot. Après, rien n'est perdu, hein. On sait jamais, hein. Allez, crois en moi d'abord. Pardon. J'aime tellement ce jeu. Le bruit des godasses quand c'est horrible.
Bah non, de toute façon, je suis bien là. Hein. Je peux pas... Je peux rien machiner. Je suis... C'est nickel. Vous allez faire quoi demain? Demain, moi, je vous propose qu'on fasse Little Hope et Alien en cauchemar, si ça vous convient. Mère. Ah, mais allez, mais putain, mais lève-toi. T'as cru quoi toi? C'est hyper mal là. Putain, on est trop bien en balle de pistolet. Enfin de fusée. Trop bien. Ok. Ah, le rampant à chaque fois, c'est une horreur. Parce que je déteste tellement le rampant. Oh oh! Ça va la tête? Oh oh! Tu as un Doliprane? Je fais pause parce que sinon ça se compte dans le temps. Donc. Moi et Malo, on est vraiment vaches à côté. Non, on dirait des garnements qui veulent embêter. Oh, mais c'est pas grave. Ah. D'accord. Si tel est ton souhait. Un moment. Tu crèves ou tu ne crèves pas? T'es mort? T'es pas mort? Ah si. Ah tiens, bonjour vous. Vous avez pas vu, cher monsieur. Ça va et toi? On est sur la fin du jeu là. On n'est pas loin des 4 heures aussi. Tiens, je te montre. Merde, c'est pas ça. Là, on est à 3h20. Et le jeu, il reste, je dirais, un quart d'heure. Même pas. 5-10 minutes. Thank you.
gardez vos grenades pour eux, là. C'est pas mal. Hein. Elle a coupé à travers chambre. Putain. Mais pas vrai d'abord, il n'y a pas de champ. Hey, rentre ta tête le lapin. Bon, il n'y a plus d'ennemis là. Là, on va vivre le flashback. Là, on est bien. On est trop bien là. T'as passé une belle journée, Manu? T'as-tu fait beau? Et si jamais, Anto, tu mets le truc anglais alors que c'est la fin, je te rembourserai à la fin. Sache-le. Mamie s'est sauvée! Non! Elle n'est plus là! Elle n'est plus là! Elle a disparu! C'est des flashbacks! On a réussi le 4h. Mais t'aurais pas dû faire ça. Ça fait putain de mal. Tu ne veux pas être mon père? Oui, j'ai fait l'emménagement de ma fille pour préparer à quitter. Ah, c'est cool ça. Mamie n'est plus dans son fauteuil. Où est-elle? C'est Toto, maman t'a tué. Là, vous avez des flashbacks de Mia avec sa tronçonneuse, mais prenez pas le risque de tirer dessus, ça sert à rien. Vous perdrez juste vos balles. Je ne joue pas. Rien. Non, éloigne-toi. Bonjour. La première fois je l'ai fait, putain, j'en ai chié. Non. Non. La voilà, mamie. C'est clair. C'est clair, j'imagine même pas ce que ça fait. Ça doit faire trop drôle. Après, on n'en fait pas des enfants, ni on est élèves pour les garder, pour qu'ils s'envolent, mais ça doit faire trop... Ah, j'aurais trop de mal quand Rebecca va ça lui arriver.
J'avais dit tout à l'heure, on peut le finir en 3h45. C'est sûr que là, t'as fait 3h30. Attends. Tu es un vilain petit garçon. Tu n'es qu'un petit garçon. Je suis une fille, la Vioque. Une fille Vioque aussi. Mais, oh la baffe. Elle me marave la gueule, la vieille. C'est complètement vrai, Max. Il est tellement facile par rapport au, à Marguerite ou les autres. C'est nul. J'ai vraiment été déçue de ce boss final. Hein. C'est tellement facile. Utilise ça. Ouais, complètement. Marguerite est tellement plus compliquée. Donc ça, c'est l'arme que vous avez dans votre coffre dès que vous finissez le jeu. La première fois, c'est Albert. Et les fleurs d'Aléoli. Et le game est fini. Je ne trouvais pas qu'elle ressemble à un chou-fleur. Je trouve que quand elle meurt, ça fait chou-fleur. J'ai mon tout mon Dark Soul, là il y a des bains. Ouais. Mamie chou-fleur, je vais l'appeler ça. Je trouve qu'elle ressemble à un chou-fleur quand elle meurt. Moi, je me dis, je dois être entre 3h30 et 3h35, je dirais. La dernière fois que j'ai regardé, ça faisait 3h21, je crois. Quand on a montré à Manu. J'irai entre 3h30 et 3h30. 3h30 et 3h35. 3h40 max. Content de vous avoir trouvé. Si tu meurs, tu reprends. Ah ouais. Aïe. Donc là, on a sauvé Mia. Mia, elle est sur le brancard et elle est sauvée. Je sais pas si vous avez vu ma rediff sur YouTube où j'avais Mia. Fini. Où je l'avais fini. Tu es vivante. Où on avait sauvé Zoé, mais quand on sauve Zoé, en fait, y a, Mia n'est pas là, il y a son téléphone. Il revoit la vidéo et il lui dit adieu. C'est tellement beau cette image. On dit que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Eh bien, une porte s'est fermée ce soir. Il est trop beau, Zoé. Cette nuit aura été longue, mais pas seulement pour moi. Mia et moi n'étions pas les seules victimes ici. Et Baker l'était aussi. C'est cette chose, Evelyne, qui les a rendus comme ça. Ouais. Umbrella Company. Mais maintenant, Evelyne n'est plus. Et ces types sont là pour faire le ménage. C'est beau. J'avais fini par faire le deuil de Mia. Mais elle est de retour. Elle veut qu'on recommence à zéro. Qu'on tire un trait sur tout ça. Il est peut-être temps qu'une nouvelle porte s'ouvre. Et tu sais pas tout, mon petit cœur, hein? Quand on connaît le jeu Resident Evil Village, Mia lui a caché beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Ah bah tu vois, 3h28. Nickel. Alors, j'ai tous les Mister Everywhere, donc j'ai toutes les statues, c'est cool, donc on va sûrement avoir un truc, mais je sais plus quoi. Faudrait que j'arrive à avoir tous les docks et toutes les pièces. 3h28. C'est cool. Ah, chaussures légères, l'art de se défendre.
si circulaire, oui. Et lunettes à rayons X, ouais. Moi, mon jouet, j'ai récupéré mon joujou, c'est Noël. Qu'est-ce que je m'éclate avec celle-ci. Aïe, aïe, aïe. Bon, mais j'espère que ça vous aura plu. Voilà. Mais moi, je les referai en off, de toute façon, pour essayer de débloquer le reste. Comme ça, faut que je redébloque les balles illimitées, mais je vais en chier, ça. La survie, c'est horrible. Et lors de la survie, là, je vais essayer d'avoir mon tout dernier trophée qui me manque pour le platiner, ce jeu. Enfin, niveau jeu principal, hein, hors DLC, tout ça. Mais niveau jeu principal, il me reste juste un trophée à avoir, c'est avoir toutes les pièces antiques en mode survie. Sinon, j'ai absolument tout. Donc la survie, c'est pas... Ah non, c'est hyper dur. Tu te rappelles, là, le père au début, là, il marche. En survie, il court. Il court complètement. Mia, là où tu la trouves avec 10 balles, en survie, il lui faut 20-25 balles. C'est chiant. Ouais. Les DLC, ouais, j'ai fait les filles, la chambre. J'aime pas le 21 ni cauchemar, j'ai pas fait. J'ai essayé un peu le où faut donner à manger à Jack, là. Sinon, en DLC, j'ai... celui-là, où on combat Lucas, le fils. Et... End of Zoé, où on interprète le frère de Jack et on sauve Zoé. Celui-là, on pourra le faire si vous voulez. J'aime pas trop l'autre, mais si vous voulez qu'on le fasse, je le ferai aussi. Mais... Ouais. Donc voilà. Donc moi, je vais vous laisser sur ça. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas, bien évidemment, à me suivre sur les réseaux. Lâchez un petit follow si mon contenu vous plaît, bien évidemment. J'ai refait ma bannière de YouTube ce matin. J'avais que... j'en avais marre de la voir. Donc j'ai mis en fait une bannière de forêt. C'est un peu sombre, mais on voit bien les icônes en bas. Et en bas, j'avais juste mis l'icône de Twitch, mais là, j'ai mis TikTok, j'ai mis Instagram, j'ai mis YouTube. Ben non, j'ai pas mis YouTube, je suis conne. J'ai mis Twitter, j'ai mis tous les icônes des trucs, comme ça. De la bannière YouTube, vous avez tout en haut, donc c'est bien. C'est plus simple. Il y a même le serveur Discord et tout, donc c'est bien, j'aime bien. Donc je vous souhaite une bonne nuit. Merci à tous d'avoir été présents. Alors, attendez. Pardon. Alors. On va aller soutenir. Ne partez pas. Je vais... S'il vous plaît. Notre cher ami Coster. Donc je vous souhaite une belle soirée. Donnez-lui la force, tout ça. Et de rien pour le stream. Merci à vous d'être là tout le temps. Si vous n'êtes pas là, je ne suis pas là. Donc voilà. Belle soirée à vous. Portez-vous bien et à demain. Bisous. Mouah.